Chaoucha. J'aime vraiment beaucoup les chats. Grec ou kebab? Je ne réponds pas aux gens de ton espèce. Que penses-tu du Rassemblement National Populaire? Je pense que changer de nom ne redorera pas le nom du Front National. Pourquoi t'as dit non au meilleur apprenti de... Parce que je n'étais pas chaud. Est-ce que Lorenzo débarque foutre la merde? Briqué devant mon cul, je crache le feu, comme un dragon on a pimpé ta meuf sous ses fesses, il y a des néons. Est-ce que je suis payé à faire des... La réponse est oui. Lis la question toi-même. Encore une fois, c'est la vérité. À quand un clash sur moi? Tu aimes vraiment les chats? Potentiellement illégal, mais ce restaurant assure n'avoir aucun problème avec les autorités. Un jour de grande affluence, plus d'une centaine de clients peuvent commander du chat. L'établissement s'approvisionne auprès d'éleveurs locaux, mais aussi d'autres fournisseurs proposant de la viande sans grand... Tu pèses combien? Ferme-toi, identifie-toi, devant chez toi une croix de Savoie, identifie-toi, dans tes écoles une croix de Savoie, identifie-toi, sur ton âme une croix de Savoie, identifie-toi, car maintenant tu as tout pour cela, que tu sois blanc, rouge, jaune, noir, Savoisien, soleil, ta terre défends-la, l'envahisseur colonialiste français ne viendra pas, il est déjà depuis 150 ans chez toi, y a-t-il besoin d'insister, ta mère c'est pas la France, ta mère est rouge. Manger chat ou kleb? Frit à l'ail, bouilli ou rôti, pour certains Vietnamiens, le chat est un plat de gourmet. Tués par noyade avant d'être écorchés, ils sont ensuite débités en morceaux et cuisinés. Ce restaurant propose plusieurs recettes à base de chat, dont la viande est particulièrement appréciée pour accompagner les apéritifs avec une bière de fabrication locale. Certains pensent que manger du chat au début du mois lunaire porte chance. C'est différent de la viande de chien. Nous mangeons de la viande de chien à la fin du mois lunaire. Le chat, c'est pour le début du mois. Car glace ou McDo? Glace McDo 5 euros. Glace car glace 30. Caillou ou caillou? Des os blancs, je savais pas. Je crois que blanc est raciste. Mais tu as raison. Olivier est le nom du moniteur auto-école. Parle pas de mon chat. Top 10 des meilleurs séries. Il y a une seule victime. On dit au revoir à notre image de Robin des Bois et on redevient simplement une bande de pistolets. C'est l'heure de vous faire confiance et vous avez ici une, deux et trois, finissez prêtes. Mais cette quiétude annonçait en fait le calme avant la tempête. Tout allait tellement partir en couille. A big part of the job is looking for the worst in people. Turns out I excel at that. You're a PI. I'm just trying to make a living, you know, booze costs money. Usually. Jessica Jones. When the sun sets, the boat will sail. Nous avons beaucoup de choses en commun. On n'a rien de semblable. We can't go back tonight. Say what you mean, say again. Détruire le mal ne vous rend pas meilleur. Je respecte vos convictions.
Les gangs prennent le pouvoir. On nous envoie un inspecteur. La police est sur le pied de guerre. Ce flic est un malin. Cherchez à vous rapprocher de lui et découvrez où sont cachées les armes. Au fait, je m'appelle Grace. L'arme est fatale. Je crois que nos amis sont joueurs. Peaky Blinders, série britannique inédite, dès le 12 mars à 20h50 sur Arte. Toi et moi, on a le même objectif. Alors, pensons ensemble. À une condition. Je les tuerai tous. Moi, ouais, ça va. T'es nouveau? Tu t'appelles comment? Norman Bates. T'as une copine? Non, il n'y a que ma mère et moi. Qu'est-ce que tu en penses? C'est de la folie, maman. The motel est à nous, Norman Bates. Maman, ouvre la porte! Qu'est-ce qu'il y a? Il y a quelque chose qui ne va pas chez moi. Oh, c'est à cause de mon petit gars. Oh mon Dieu, il a une arme. Dieu calme, c'est un briquet. Je peux prendre combien d'essence à briquet à bord? Mais avant de répondre, rappelez-vous que je suis une célébrité. Penses-tu du génocide juif? Car je trouve ça triste sachant que je suis juif. Continue, j'adore tes vidéos. Grosse dédicace à tous les juifs, moi aussi je trouve ça triste et inhumain. Flemme de lire ta question et flemme de répondre, c'est la fin de la FAQ.